Nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Philippe Bélaval, qui est président du Centre des Monuments Nationaux, grâce à une artiste que nous exposons, Lydia Rix. C'est donc une rencontre spontanée, une de plus, puisque notre histoire s'est faite comme cela. Et je me suis autorisé la question de savoir si nous pourrions un jour envisager quelque chose ensemble quant à la défense et à la reconnaissance d'une œuvre majeure, à savoir le travail de Jean-Claude, de Georges Jean-Claude, un ensemble très choisi de pièces, certaines n'ayant jamais été montrées. Et je suis particulièrement heureux d'un partenariat à si haut niveau entre une structure privée que nous incarnons et une structure institutionnelle au niveau, au sommet. La plupart des artistes souvent me prennent pour un des leurs quant à ce qu'est l'engagement. Je dis assez fréquemment que ce lieu est la toile blanche du peintre, mais pour un public aussi large que possible. Donc cet espace, c'est ma toile blanche. L'objectif, comme je le disais à l'époque, puisque cette histoire a pris naissance sans le premier centime, c'est ce que j'appelais de l'auto-mécénat par défaut, avec des artistes émergents qui n'avaient aucune notoriété. Donc je suis allé vers les artistes qui m'ont touché de par leur travail et de par leurs propos. Et je me suis donné le moyen d'essayer de ne pas les décevoir. Que nous recevons à l'heure actuelle environ 10 demandes du monde entier d'artistes qui souhaiteraient se joindre à nous. Donc nous sommes à la fois dans une frustration parce qu'il y a des dossiers merveilleux auxquels nous nous sentons hélas obligés de dire non, et puis en réfléchissant un peu, comme disait un de mes peintres, il n'y a qu'un mot dans la vie, c'est le mot acceptation.